Bienvenue sur l'émission The Wall, l'émission Face au mur. On est présent avec deux candidats. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous le candidat numéro 1. Moi, je m'appelle Jean-Claude et j'ai 40 ans. Et le candidat numéro 2. Moi, je m'appelle Antoine et j'ai 26 ans. Ok, alors du coup, on va passer à la première manche. C'est parti. C'est parti. Alors, nous allons poser des questions. Voilà, on attend la question. Première question. Quel est le métier de Mario? Réponse A, aventurier. Réponse B, plombier. Alors, vous mettez. Attendez, attendez, attendez. Alors, vous mettez une boule où, au numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous choisissez le Numéro 6. numéro. Numéro 6. 6? Numéro 6. Ok. Alors, remettez-vous à vos places. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on commence. Allez, plombier ou aventurier? C'est quoi, vite, vite, plombier, vite. plombier, 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 plombier. Ok. Bonne réponse. Et oui, c'était plombier. Vous avez gagné 50 000 euros. Ok, 50 000 euros, c'est parti. Alors, du coup, nous allons passer à la deuxième question. C'est parti. Dans le film Le Père Noël est une ordure, Thierry Lhermitte travaille pour l'association. Réponse A, SOS Détresse Amitié. Réponse B, pour le 3615. Alors, vous mettez. Attendez, attendez, sur quel numéro? La 3. Ah, c'est bon. 3? Oui. Ok, alors nous allons lancer la machine. Alors, nous allons lancer dans 5, 4. La 1, la 1, on dit. La 1. La 1. Je sais pas quoi, là, la 1. C'est quoi? La 1. La 1. La A. Ok, la oui. A, allez, c'est parti. Vous choisissez la A sur le certain? Oui, A. Vous avez choisi réponse A. A, disons. Et du coup, c'était la bonne réponse? Oui, yes. Bonne réponse. Ok. 50 000, 10 euros. 10 euros. 50 000, 10 euros. Voilà, nous allons passer à la troisième question. C'est parti. Troisième question. En France, à partir de quel âge peut-on conduire une motocyclette de 50 cm3? Réponse A, à partir de 14 ans. Réponse B, à partir de 18 ans. Alors, quel numéro? Quel numéro? 4. Le 4. Alors, attendez, le 4, il est là. Attendez, hein. Alors, choisissez un peu. C'est quoi le numéro tout au fond? J'ai pris le 4. Le 4. 3, 2, 1. Go, alors, c'est quel la A, la A, la A, vous la A. Choisissez quoi? La A? La A, sur partir de 14 ans. Oui. C'est parti. Réponse A, validée. Eh oui, c'est le jackpot. 150. 150 000 euros. 210 000 euros pour le moment. On est riche. On gagne, mon pote. Alors, 210 000 euros. C'est pour la quatrième question, c'est ça, ou la cinquième? Je m'en rappelle plus. Quatrième question. Question alors, 4. On va passer à la question 4. En langage SMS, ouais, que signifie je ris? Réponse A, IRL. Réponse B, LOL. Alors, vous choisissez les numéros combien? 4. Ok. Alors, du coup, je vais lancer. Hop. Et voilà, vous pouvez choisir. Alors, c'est quoi? Réponse B. Réponse B, acceptée. Eh oui! 150 000 euros encore. Un total de 350 000 euros, c'est énorme. Alors, du coup, vous avez un total de 350 000 et 10 euros. Alors, du coup, c'est parti pour la dernière question. Dernière question. Quel est le jeu le plus vendu du monde? Réponse A, Minecraft. Réponse B, Tetris. Et réponse C, GTA V.
Alors attendez, attendez, réfléchissez déjà dans votre tête. C'est bon. Attends, oui, attendez. Du coup, voilà, normalement c'est bon. Go, vous pouvez commencer. C'est quoi la réponse? Minecraft. Ok. Et vous, 1 euro. Et perdu. C'est une mauvaise réponse. Oh, dommage. C'était Tetris. Du coup, vous avez perdu 1 euro. Vous êtes à 350 000 et 9 euros. Euros voilà. On passe à la deuxième manche. C'est parti. Alors du coup nous allons dire déjà la première question. C'est parti. Alors Katmandou, Paris et Damas. Je sais pas. Ça va être par rapport aux régions. C'est la truc la plus peuplée hein, comme ça. Je pense. Ok, alors la plus là de choisissez un chiffre. Bah 4. Oh, 4, ok, je vais appuyer sur 4. Et du coup, donnez la question. Quelle est la capitale du Népal? Alors, c'est quoi? Katmandou. Ok. Du coup, est-ce que c'est la bonne réponse ou la mauvaise réponse? Alors, la question a été validée. Le partenaire a choisi Katmandou. Donc c'est parti. Ok. Alors du coup c'est la bonne réponse. Alors du coup. Et c'est une boule verte qui se lance. Oui, voilà. Alors du coup. Jean-Claude, venez. Est-ce que vous croyez que votre partenaire va réussir à poser les questions? Ouais, je pense. Réussir. Alors du coup, ça tombe sur 30 000 $, ok. Alors du coup, vous êtes à total de 530 110 €. Alors, du coup, on est parti pour la deuxième question. Alors, deuxième question, réponse A, 2005, réponse B, 2009, et réponse C, 2004. Je sais pas, moi. Ça va pas ? Aucune idée ? Alors, du coup, vous voulez mettre la balle à quel numéro ? Quel chiffre ? 4. 4 ? Ah, ok, ouais. Nous allons numéro 4 choisi. Nous allons dévoiler la question à votre partenaire. Quelle est la date de création de YouTube? Réponse A 2005, réponse B 2009 et réponse C 2004. Je vais dire 2004 car c'est. Je vais dire 2004 car c'est la ma date de naissance et je crois ma date de naissance donc j'ai ma réponse est 2004. Il a validé en la plus. Réponse C. Du coup, est-ce que c'est la bonne réponse? On lance la boule. C'est parti. Et c'est une mauvaise réponse. Oh. La réponse était 2005. Mais sérieux? En plus, moi, je croyais que c'était 2004. Voilà. Pour tout vous dire, j'avais une idée en tête, je croyais que c'était 2004, mais voilà, on en apprend tous les jours. Du coup, la boule rouge, elle tombe, et vous avez perdu 30 000 €.
Alors, question 4. Réponse A, peintre, artiste. Réponse B, chanteur. Réponse C, gamer. Okay. Quel est le métier le plus... le plus utilisé au monde, quoi. Qui a le plus de gens qui le font. Bah du coup, vous voulez mettre sur quel numéro? 4. Le 4 ouais. Cherche un peu le numéro quand même, parce que... Bah, effectivement, le A ouais. Ok, c'est parti pour le A. Alors du coup... Révélation de la question. Qui est Léonard de Vinci? Réponse A, un peintre et un artiste. Réponse B, un chanteur. Réponse C, un gamer. C'est un peintre et un artiste. Je le verrais mal jouer quand même. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est gamer. C'est peut-être Gotaga. Mais je reste sur... Léonard de Vinci. Peintre et je sais plus quoi. Et c'est okay, une bonne réponse. C'est le jackpot. Oh là là. 1, 2, 3. Ok, c'est parti. 1, 2 et 3. Alors, est-ce que vous croyez que vous allez perdre beaucoup d'argent ou vous allez rester un peu sur la somme ou quoi? On va perdre beaucoup d'argent. Ok. Peut-être après vous pouvez tomber sur le A ou quoi. Ah non. Alors du coup on va lancer les boules rouges, c'est parti. Ok, elle tombe. Alors, il y en a une en haut. Elle... 30 000, ça fait mal. 100 euros. 100 euros, 30 000. Maintenant c'est 100 euros, 30 000 et 40 000. Donc nous allons appeler votre partenaire pour savoir qu'est-ce qu'il a décidé d'accepter le contrat ou de le déchirer. Alors vous pouvez venir. Alors du coup, est-ce que vous souhaitez garder le contrat ou le déchirer? Je souhaite de le garder. Gardez le contrat. Alors du coup, la somme que vous avez que vous avez gagné, vous voulez pas l'avoir? Oui, je veux garder ma somme sur le temps. Et du coup, le contrat, il coûte combien?